Recoucou tout le monde, vidéo numéro peut-être 11. Allez, oui, on va l'appeler 11 et on va la noter. Vidéo numéro 11. Voilà, on va faire le calendrier. Alors, attendez, il y en avait plus. Où c'est que je les ai mis? Là, ça y est, je suis envahie. En fait, j'ai fait la bêtise de ne pas vider correctement mon organiseur pour projet en cours, les deux derniers tutos que j'ai fait. J'ai empilé dedans en me disant « Oh, ça va, j'ai le temps de ranger ». Et du coup, il est tellement envahi que je n'ai plus la place d'y mettre mes feuilles. Et donc, tout traîne sur le bureau. Et quand tout traîne sur le bureau, ben c'est tout de suite le boui-boui. On ne retrouve plus rien. Donc hier soir, j'en ai découpé un peu. Enfin, hier soir, à 4 h du mat, j'arrivais pas à dormir. Donc, je me suis relevée. Ah, les voilà. Et j'en ai découpé quelques-unes. Donc, je voulais vous montrer comment je fais. Elles ont des tout petits arrondis dans les angles, mais ils sont minuscules et pas faciles à couper. Donc, en fait, je coupe tout droit. Elles sont en plus pas très grosses ces étiquettes, mais ça va bien faire pour nous. Je vous ai pas montré dans quel bloc je les ai prises, dans celui-là, qui date de l'année dernière. Hein, voilà. Vous pouvez prendre, par exemple, cette année, il y a lequel cette année qui a des chiffres petits, comme ça. Attendez, je crois que c'est celui-là. Voilà, celui-là, il a quoi? Non, celui-là, il a des grosses étiquettes. Donc, c'est celui-là qui a des étiquettes assez petites pour pouvoir arriver à les mettre sur nos boîtes qui sont petites. Sinon, ben, vous mettez des chiffres, hein, tout simplement. C'est pas sorcier. Vous mettez le papier que vous voulez et vous collez des chiffres. Ça, c'est Harry Potter. Hop, celui-là, on n'en a pas besoin. Voilà, donc je les ai coupés tout droit. Et j'ai refait l'arrondi, parce que du coup, on le voit. Hein. Et j'ai refait un arrondi un peu plus large avec ma perfo. Et puis, c'est tout. Hein. Je ne me suis pas compliqué la vie. Voilà. Et ça va faire des étiquettes. Putain, mais pourquoi je les ai posées là-dessus? Maintenant, je ne les vois plus. Faut que j'aille chercher d'autres lunettes. Hein. Vraiment, celle-là, ça va plus du tout. On en était là. Celle-là, j'ai été obligée de la raccourcir un peu. Là, elle était vraiment trop longue, même pour mes tiroirs les plus hauts. Et après, vous essayez et vous ne collez rien. Vous ne collez rien parce qu'il va falloir vraiment trouver les étiquettes les plus adaptées à chaque forme. Donc là, je suis contente, mais si ça se trouve, au dernier moment, j'en aurai une très grosse et je serais bien contente de ne pas avoir collé et de la déplacer ici. Voilà. Donc, vous les découpez toutes et vous les placez toutes sur vos boîtes du mieux que vous pouvez. Et vous les collez surtout pas pour l'instant. Voilà, j'en fais encore une. Aïe! J'ai déjà plus de force, dites donc, dans les doigts. Voilà. Il se pourrait que ça aille comme ça, mais je vais attendre de les avoir toutes découpées pour être sûre de faire mes deux boîtes comme il faut. Et ensuite, je vais vous donner toutes les dimensions là pour découper le papier de devant. Si vous utilisez des petites étiquettes comme ça, vous mettez un papier un peu sobre, un peu uni, un peu sobre. Je compte peut-être mélanger, utiliser peut-être ces deux blocs. Et moi, je veux lui donner un air un peu vacances à la neige, chalet de montagne. Donc, peut-être du bois, peut-être, je ne sais pas. Mais à la fin, ce n'est pas un tuto de chalet, hein, du tout. Qu'est-ce que j'ai qui est un peu uni? Oh, ben, ou alors ça. Est-ce que c'est joli, les chiffres là-dessus? Non, on ne les voit pas bien. C'est un peu trop pétant comme... Bon, ben, voilà. Bonne preuve que dans ce bloc-là, il n'y a rien d'un peu uni. Ou alors des sapins, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas des sapins? Oui, ça pourrait me plaire. Donc, on va faire les devants d'étiquette. On ne va pas s'embêter. Ou alors ça, hein, alors là... Oups, j'ai failli perdre une étiquette. Voilà, là on est tranquille, on voit bien les étiquettes. Mais du coup, c'est même un peu trop flashy. Ah, ça serait chic et sobre. Le vert, est-ce qu'il irait mieux que le rouge? Peut-être, vert et marron. Ouais, peut-être. Voilà, donc on va choisir et je vais vous donner les dimensions. C'est laquelle qui était... C'est celle que je cherchais l'autre jour, celle-là, qui est tellement recouverte de partout qu'on dirait une feuille de plastique. Oh, ça va me plaire. Sauf que du coup, ça va tout cacher et on va pas voir les côtes irlandaises. Je sais même pas si elles sont irlandaises, elles ont l'air tout à fait classiques. Je vais peut-être le garder pour mettre ailleurs, ça. Mais où? Bref, il va falloir trouver quelque chose. Là, j'ai encore des jolies côtes. Ah, pas mal. Je pourrais mettre celle-là sous. Il faut que je regarde si j'en ai deux, parce que je ne pense pas faire toutes mes étiquettes avec une seule feuille. Donc, si vous n'avez pas deux feuilles identiques pour faire vos étiquettes de devant, pensez dès le départ à en prendre deux assorties, par exemple la blanche, voilà, par exemple ça et ça, mais allez, mélangez. Faites pas un côté et demi en marron, et puis tout d'un coup, les trois dernières cases qui vous manquent en blanc, ça serait moche. Donc pensez à les mélanger dès le départ. Hier soir, je me suis amusée, j'ai fait un mini cube, mais il s'ouvre pas bien. Je préfère le grand. Oups. Le grand, maintenant, il s'ouvre bien. Il est bien carré. Voilà, bref. Pensez, si vous n'avez pas deux feuilles les mêmes, de mélanger dès le départ. Si vous n'avez pas ce style d'étiquette ou qu'elles ne vous plaisent pas ou qu'elles ne sont pas adaptées à votre taille, ben, vous choisissez un papier très joli. Alors, ça pourrait être un papier pleine face, mais dans ce cas-là, il faudrait que je vous explique, que je vous réexplique comment on fait. Attendez, j'en cherche un très joli. Voilà, ça. Ça pourrait être par exemple ça. Mais ça, dans ce cas-là, il faut vraiment qu'on garde les bonnes boîtes aux bons endroits. Et comme les boîtes sont toutes de tailles différentes, ça nécessite un peu de réflexion pour arriver à bien les caser. Donc, je vais vous faire le tuto pour le cas où on utilise ça. Ouais. Bon, moi, je vais me décider parce que là, ça fait 2 heures que je pinaille et je ne suis pas décidée. Je pense que moi, je vais prendre ça. Donc, première chose... Allez voir tout de suite si j'ai un deuxième bloc comme ça, j'arrive. Histoire de faire encore une vidéo un peu plus longue, je cherche mes blocs maintenant. Ah non, mais je vous jure, il y a des jours comme ça. Et puis là, j'ai mis un sacré boui-boui dans les blocs. Attendez, il y en a un qui s'écroule. C'est un bloc toga, les feuilles sont tellement fines, c'est difficile de le ranger comme il faut à chaque fois. Non, non. Mais par contre, celui-là, quand même... Non, j'en ai pas deux les mêmes. Hein. J'en ai 3 comme ça, mais j'en ai pas 2. Mais il me semble pas que j'en avais acheté 2 parce qu'à la base, ils me plaisaient pas trop. Il y avait trop de papier là, avec des poils, des machins. Enfin, voilà, ça m'inspirait pas. J'en ai ici, que j'ai empilé à la va-vite, donc je regarde, parce que ça fait un petit moment là que je cherche dans les blocs de Noël, donc j'ai tout sorti, Mais non, j'avais sorti que des blocs rouges et verts. Donc des comme ça, j'en ai plein. Il y a celui-là aussi, qui a des papiers qui pourraient me plaire. Ouais, bouffe. Si, il y en a qui sont très beaux, mais... si, je pense que il y en a un, là, où il est. Celui-là, il pourrait faire l'extérieur. Il est magnifique. Du coup, est-ce que celui-là pourrait faire l'intérieur? Et est-ce que celui-là, j'en ai plusieurs? Je crois. Bouf. Ah, c'est compliqué de choisir. T'as beau avoir... Je ne sais pas si le fait d'avoir beaucoup de choix m'embrouille l'esprit ou m'aide. Mais là, la preuve, celui-là, j'en ai acheté qu'un. Et il m'en faudrait deux. Bon, donc je vais prendre deux pulls de couleurs différentes pour faire l'intérieur. En fait, je crois que je vais être obligée de vous dire à quoi... Au passage, je me suis complètement décalée. Je crois que je vais être obligée de vous dire à quoi va ressembler le tuto à la fin pour que vous puissiez choisir les papiers. Je suis désolée, je blablate depuis 10 minutes pour rien. En fait, c'est tout simplement une valise pour aller au sport d'hiver pendant la semaine de Noël. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais lui donner un air chalet cosy en station de ski, quoi. Chalet chic, mais le chalet de riche, hein, à Stadt et compagnie, je sais même pas comment ça se prononce. Je suis pas assez riche pour aller dans les stations de ski au nom imprononçable. Donc, voilà pourquoi mon idée de chalet, de trucs comme ça. Du coup, il faut que je me décide, Donc, les pulls pour l'intérieur, ça va me plaire, parce qu'après tout, c'est une valise. Donc, il y a des pulls. Et pour l'extérieur, je vais faire un peu valise chic, peut-être style... Ben c'est pareil, je suis pas assez riche pour me rappeler des noms des valises des riches. Louis Vuitton. Ah, nom d'une pipe, quand t'as plus de mémoire. Alors, imaginons que ce soit un motif qu'on voudrait en suivi. Comme je vous ai montré tout à l'heure, là... ça par exemple, hein? Voilà, ça qui doit absolument être suivi. Je vais vous montrer comment on fait. Vous prenez votre papier dans le sens de votre dessin, de votre suivi, vous vous mettez à l'envers. Donc après, ça demande une petite gymnastique pour toujours réfléchir à l'envers. Vous prenez votre boîte déjà toute finie, hein, parce qu'il faut vraiment que vous soyez, que les cases ne bougent plus. Donc, toute finie. Et vous prenez la première case. Alors, déjà, on va prendre la hauteur, puisqu'on a la chance que toutes les trois soient alignées. Donc, on est à 7,7. Donc, on va faire, on enlève 5 mm. Non, on n'enlève rien, pardon. Motif suivi, on n'enlève rien. Donc, on gaspille un tout petit peu de papier, mais c'est pas très grave. Donc, ici, vous faites 7,7. Ici, vous faites 7,7. J'ai vraiment fait 7,7? Ben oui, c'est bizarre. J'ai vraiment un souci avec ces lunettes, moi. Ensuite, vous allez déterminer par rapport à votre dessin. Donc là, moi, mon dessin, on va dire qu'on s'en fiche. Mais vous déterminez quel est le côté qui vous plaît le plus, parce que vous voyez bien qu'on ne va pas utiliser la feuille entière et que donc il va nous falloir deux feuilles. Donc si j'avais pris celle-là, je vais finir par la détacher, la garder avec moi, ou je vais même vous faire les calculs sur cette feuille-là, je crois. Voilà, je vais dire que, je sais pas, moi, ce côté-là me plaît plus que ce côté-là. D'accord? Donc, quand je vais retourner, je vais commencer à dessiner mon premier tiroir, c'est-à-dire celui-là. Je vais le dessiner ici, puis le petit ici, puis le un peu plus grand ici. OK? Parce que je veux ce côté-là et que je m'en fiche de ce côté-là. Donc après, pour dessiner à droite, vous mesurez la boîte de gauche. Elle fait 7,7. Donc vous mesurez 7,7. La suivante, elle fait 3,7. En fait, toutes les dimensions seront pareilles hein, à chaque fois. Donc, notez-vous-les quelque part. Parce que vous allez retomber sur les mêmes dimensions à chaque fois. Et là, ça va être 5,7. C'est ça. Voilà. Je ne vais pas vous le faire pour de vrai parce que j'ai la flemme. Donc, voilà. Hop, hop, hop. Évidemment, vous le faites bien droit. Hein? Puis vous dessinez la rangée d'en dessous. La rangée d'en dessous, elle fait... Vous mesurez bien le tiroir, pas la boîte. Hein, 5,7. Voilà. Et là, on était à 7,7. Donc là, vous tracez votre trait à 7,7. Là, et après, on va réfléchir. Là, pareil, je recommence à dessiner celle de gauche à droite. Donc 5,7. Puis celle-là, 7,7. Puis celle-là, 3,7. Voilà, pas trop compliqué jusque-là. Ici, on est un petit peu plus embêté parce que c'est plus des lignes, c'est des colonnes. Qu'à cela ne tienne, on va faire des colonnes. Donc là, on a 7,7 à gauche, donc on va le dessiner à droite. 7,7 et 7,7, je le fais tout à fait au pifomètre, d'accord? Après, on a une colonne de 3,7, donc là, 7,7. 3,7 et après ici on a du 5,7. Voilà. Puis dans chaque colonne vous allez dessiner les boîtes. Donc celle d'en haut là, ici 3,7 et ici 5,7. Là 5,7 et là 3,7 et ici 3,7 et 5,7. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous les numérotez. Alors, vous numérotez pas... Enfin, à vous de décider. Mais si je veux commencer à les coller là, je veux commencer à les coller par la gauche, je vais commencer à mesurer à droite et inversement. Donc, moi, j'aime bien écrire. Je suis française. J'écris de gauche à droite. Donc, je collerai mes étiquettes de droite à gauche. Et je vais les numéroter ici. Donc, 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, comme ça, une fois qu'elles seront toutes mélangées, je ne serai pas perdue. Maintenant, vous les découpez. Donc, on va imaginer que j'ai découpé mon étiquette. Allez, parfait. Voilà. On va imaginer que j'ai découpé celle-là, 5,7 par 5,7. OK? Et là, maintenant, tout le tour... Je vais enlever 2 mm, 2 ou 3, vous choisissez, ou 2,5 si vous êtes doué avec le pifomètre. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, vous tracez. Et vous faites gaffe, vous comptez bien combien vous en enlevez, parce qu'un jour j'ai fait ça. Donc là j'en ai enlevé 3, tout va bien. Là j'en ai enlevé 4, tout va bien. Et comme je n'étais pas concentrée, ben, j'en ai enlevé 5. J'ai continué le tour. Donc, si votre étiquette est mesurée et nommée là, numéro 1, vous vous dites que vous commencez toujours par en haut et que quand vous êtes arrivé ici, il faut vous arrêter. Il ne faut pas recommencer à couper celle d'en haut. Il faut bien couper que 4 fois. Et que une fois chaque côté, hein, pas 2 fois le même. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à prendre votre perfo. Pardon. Vous vous mettez bien au centre. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous le mesurez. Et hop, vous avez votre étiquette de 5,7 qui va sur la boîte de 5,7 par 5,7. Voilà. Et puis après, vous prenez l'étiquette que vous aviez prévu de mettre dessus et vous la mettez dessus. Tout simplement. Vous pouvez un peu l'ancrer si vous aimez le style vintage. Voilà, ça c'est pour le cas où on veuille utiliser un motif particulier. Hein. C'est pour Voilà, c'est pour ce style de motif-là. Après, vous prenez une deuxième feuille qui a aussi... Parce qu'en face, il va falloir faire la même chose. Donc, soit vous avez la même, soit vous en avez une deuxième qui vous plaît. Elle est quelque part. Voilà. Là, c'est pareil. Je peux décider de la mettre en haut aussi, hein, pour faire un peu plus proche. Je peux décider de mettre ça en haut et je vais décider de couper ici. Je vais décider de garder ce côté-là. J'aime mieux ce côté-là. Donc, je vais retourner et je vais dessiner ma boîte ici. Toutes mes cases là. Ça, c'est une méthode. Maintenant, moi, bon, je suis bien, tiens, avec ça au milieu maintenant. Ah là là. Moi qui ne veux pas suivre le motif. Je vais faire presque la même chose, mais je vais beaucoup moins m'embêter. Alors, j'ai quand même envie de le suivre un peu, le motif. Hein. Ouais. Ou alors, je fais exprès de mélanger. Ou alors, je suis en train de me dire que ce papier n'est pas adapté à ce que je veux faire. Parce que moi, je veux utiliser mes cases. Et si on utilise les cases, on ne le voit quasiment plus, le motif. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un joli motif. Allez, hop. Je rechange encore d'avis pour le papier. Non, mais je vous jure, je vais craquer. Je vais craquer, là. Il faut que je définisse une bonne fois pour toutes ce que je veux pour l'extérieur. Pour l'extérieur, je veux ou ça. Ou ça. Tout ça. Et pour les côtés, est-ce que je prendrais pas ça pour faire les côtés? Bon. Et celui-là, j'en ai deux. Alors, je vous abandonne encore 2 secondes. Il faut que j'aille le chercher. Il est là. Hop. Celui-là, il me plaisait tellement que je crois que j'en avais même pris 3. Tiens, pourquoi il a 2 feuilles de chaque, celui-là? C'est marrant, ça. Mais c'est génial. Une de mes feuilles préférées dans ce bloc est en double, par erreur. C'est extraordinaire, la chance que j'ai. Ah, si je mets ça à l'extérieur, je sais ce qui va me plaire à l'intérieur. De l'écossais. J'aime beaucoup, moi, les écossais sur les papiers de Noël Action. Ouais, l'écossais va bien me plaire. Il y en a d'autres d'écossais ici. Il y a cette page-là qui est magnifique aussi. Celle-là, il faudrait faire vraiment le suivi là de toutes les cases du motif et juste mettre un chiffre doré. Ça serait super beau. Ouais, ben merde, du coup, ça me donne envie de le faire. Mais du coup, j'ai découpé mes étiquettes pour rien. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai découpé mes étiquettes pour rien. Par contre, n'essayez pas d'utiliser des chiffres carrés comme ça. Il y a trop de boîtes où ça ne rentrerait pas du tout. Donc, je change encore d'avis. Vous avez compté combien de fois je change d'avis pour les papiers dans une seule vidéo? Alors, j'ai de l'écossais vert. Pourquoi là, il n'y avait pas d'écossais vert? Vous avez vu un écossais vert, vous? Ah ben oui. Ah oui, mais j'ai dit que peut-être je ne mettais plus l'écossais. Tu vois, même moi, je ne sais plus où j'en suis tellement j'ai changé d'avis souvent. Donc ça, ça va être l'intérieur, je pense. Et l'extérieur, j'ai déjà pris les feuilles. Oui, donc l'écossais, peut-être non. Et bien du coup, je vais pouvoir mettre en pratique ce que je viens de vous montrer, à savoir faire... Yaou! Attends, viens ici. J'étais décidée à utiliser un bloc récent pour pas vous embêter à essayer à vous dire que vous ne l'avez pas acheté. Mais je suis désolée, ce papier me plaît trop et je ne l'ai encore jamais utilisé. Donc, Donc il va faire l'intérieur, les deux intérieurs de ma valise. Donc d'un côté, je vais le dessiner ici, et de l'autre côté, je vais le dessiner là, pour qu'au total, j'ai à peu près le motif entier. Ah, ça va me plaire. Donc ça, on va dire que c'est celui de droite. Ça, c'est celui de droite. Donc je vais dessiner ma boîte, pas ici. Mes boîtes. Ça, c'est celui de gauche. Donc, je vais dessiner mes boîtes, pas ici, mais là. Vous avez suivi le... Alors après, ça, je vais décider que c'est celui de gauche. Et donc, je vais refaire le dessin que je vous ai fait tout à l'heure, ici. Allez, hop, c'est parti. Donc, je vais me mettre ici les dimensions pour m'en souvenir. On a 3,7, 5,7 et 7,7. Et dans l'autre sens, pareil. Hein? Donc, ici, j'ai du 7,7. Et là, donc, je suis obligée de le faire à la bonne dimension. Si j'en avais rien à foutre de mon motif, je ferais des bandes à... Attendez... 7,7. Oui, je ne vous ai pas fait ça. Ben, je vous le fais après. Pourquoi j'ai mesuré si près du bord? Je crois que... Alors, je ne sais pas vous. Hein, j'espère que non. Mais moi, mon blabla vient de me saouler. Je vais me mettre la boîte sous le nez. Vous, vous la verrez pas trop, mais... Pensez bien d'intervertir. Donc là, c'est la boîte de gauche. Je la dessine à droite. Et là... À droite, je vais faire le tiroir de gauche. Donc, c'est un 7,7. Et je regarde, je vais en avoir deux en bas qui sont aussi à 7,7. Là, donc, je vais dessiner jusqu'en bas. En ne marquant pas trop fort sur mon crayon. Parce que... Voilà, c'est à peu près par là qu'il y aura encore des boîtes à 7,7. Après, j'en ai une à 3,5. 3,7, pardon. Pourquoi je le marque là? Oh, ça m'énerve, ça. Il faut toujours mettre vos marques le plus loin possible, parce que si vous avez un léger décalage, puis j'en ai encore deux en bas à 3,7. Donc, je vais les faire. Si vous avez un léger décalage, il sera moins grave si vous êtes parti de très loin. Que si vous êtes parti de tout près. Voilà. Là, là non, mais c'est pas grave, je gommerai. Et après, un 5,7. Et je recommence encore. Mais c'est pas possible. C'est vraiment la vidéo. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein. Ah, mais pour pas gaspiller du papier, je vais commencer mon autre boîte avec ces boîtes-là. Et je ne prendrai qu'un petit bout. Ouais. Ça, c'est la première rangée. Donc, c'est les boîtes. 1, 2, 3. On est d'accord. Rangée d'après, elles font 5,7. Puis, 5,7. Et là, on va avoir... À une époque, j'avais une gomme. On va avoir en premier une 5,7. En deuxième, une 7,7. Et normalement, il reste 3,7. Eh ben non. Qu'est-ce que j'ai fait? 3,7. Ah, merde. La première, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mesuré à 7,2 au lieu de 7,7. Oh la con! Tout est faux. Heureusement que je m'en aperçois tout de suite. Quand je vous dis que j'y vois rien avec ces lunettes, c'est impressionnant. Impressionnant de myopie, ce truc mûche là. C'est pas de la myopie, je crois que je suis astigmate, je sais plus. Je sais jamais. Donc, mon premier tiroir était absolument faux. Donc du coup, les suivants étaient pas terribles. Non, non, mais là, il y a un problème, là. Je vois pas ma marque. Ah, quel âne. Donc, là, je suis bien à 7,7. Là, je suis bien à 3,7. Et là, je suis bien à 5,7. On est d'accord. Ça va tout de suite beaucoup mieux. Donc là, j'ai 5,7. 7,7. Hop. Et 3,7. On est bon. Miraculoso. Concentrons-nous, Odile, concentrons-nous. 4, 5, 6. Et là, je vous ai dit qu'on faisait par colonne. Du coup, je les ai déjà tracés. Donc, ici, je suis à 3,7. Et là, je suis à 3,7. Et je ne trace que les deux tiroirs extérieurs. Au milieu, je suis à 5,7 et 5,7. Et là, je suis à 5,7 et 5,7. Pour être sûr de ne pas vous être trompé, vous pouvez... Oui, et ben... Normalement, je suis bonne. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. 5,7, hein, oui. Vous êtes légèrement plus petit que votre boîte, hein, puisque votre boîte, elle a des... Enfin, ses tiroirs sont inclus dans des boîtes un peu plus grandes. Donc, forcément, 7, 8, 9... 10, 11, 12. Les chiffres nous permettent de savoir dans quel ordre on va, où est le haut et le bas, où c'est qu'il va falloir faire les encoches, etc. etc. hein. Ça, c'est une chose. Donc ça, ça va faire mon dessin de celle-là. Et là, maintenant, je n'ai plus besoin de ces petites étiquettes. Je vais faire celui-là de dessin. Et après, à côté, je vais enchaîner. Soit j'enchaîne avec celui-là. Ouais, je pense que je vais enchaîner avec celui-là. Ça fera une... Ah, je sais pas. Est-ce que je coupe deux feuilles? Ouais, je vais quand même gaspiller un peu. Ça fait rien, il me restera deux chutes. J'aurais aimé avoir qu'une très grande chute. Ah, c'est dommage. Comment je peux faire? Parce qu'il nous reste quelques papiers là en bas. Donc, si je mettais ces papiers-là sur ces boîtes-là et que j'enchaîne avec ça. Non, ça va faire louche. Ça va faire moche, moche, moche. donc je vais bien le faire sur cette feuille-là. Allez, hop. Donc, c'est la boîte de droite qui est comme ça. Alors, elle est un peu plus compliquée parce qu'elle a des boîtes dans ce sens-là, des boîtes dans ce sens-là. On a toujours les mêmes dimensions. Donc, on attaque par du 5,7. La rangée d'en haut, elle est facile à faire. Après, je vais commencer à dessiner à gauche, donc je prends la dimension du tiroir de droite de ma boîte, 5,7. Et je recommence à pas mesurer en haut. Pourquoi? Et il n'y en a qu'une seule à cette taille-là. En dessous, il n'y en a aucune à la même taille, donc je ne m'embête pas. Je n'en trace qu'une. Après, j'ai une 7,7. Et pareil, j'en ai aucune en bas. Et c'est là pour ne pas me tromper, je vais les numéroter D1, D2 pour droite. Les autres, j'aurais pu les numéroter G1, G2 pour gauche. Et ici, 3,5 et 3,7. Et il n'y en a aucune en bas à la même taille. Donc, pas la peine de s'embêter. Ensuite, j'ai un peu de 7,7, mais juste un peu. Et elles sont toutes les deux à gauche, donc je vais toutes les deux les dessiner à droite. Voilà. Donc je ne peux pas les faire tout de suite. Là, j'ai une colonne de 3,7. Qui commence par une boîte de 3,7 et une de 7,7. Et qui continue par une de 7,7 et une de 5,7. Ah bah, je suis bête. Voilà, donc D2, D3, D4, D5, D6, D7. Après, j'ai là du 3,5. Normalement, ça tombe exactement 3,7. Ah, ça tombe là. Et elles font... Ici 7,7 et l'autre 5,7, je la vérifie pour être sûre, on est bon. Donc D7, D8, D9. Et là, pourquoi j'ai pas tracé jusqu'au bout? Personne ne sait. Et en bas, j'ai du 5,7 . C'est long à faire, hein. Et après, il va falloir encore toutes leur enlever 3 mm, enfin 2 mm et demi tout le tour. Donc, à... Là, j'ai mal collé. À gauche, à droite, j'ai une 7,7, donc je la dessine à gauche, puisque qu'elle est à droite. 7,7, puis j'ai une 3,7, pardon. Et normalement, il me reste pile poil 5,7, c'est parfait. Donc, taxim. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout faux. Non, c'est bon. Ce qui m'a troublé, c'est ce trait-là qui n'est pas censé aller jusqu'en bas. Des 9, des 10, des 11, des 12. Et voilà. Et bah dites donc. Et là-dessus, j'y mettrai des chiffres dorés. Je ne me suis pas trompée sur mes motifs. Qu'est-ce que j'ai dit? Si ça, c'est la boîte de droite. Ah oui, non, c'est bon, je ne me suis pas trompée. Ça, c'est la boîte de droite. Ça, c'est la boîte de gauche. Et donc, au milieu, là, on a ça et ça, c'est coupé. Tout ça, c'est coupé. Et donc, on verra à peu près ça. On verra deux fois la canne, là, au milieu. Mais on n'a pas tellement de choix. Hop, je vais découper tout ça. Et je vous rappelle qu'il faut ensuite enlever 2,5 mm. Alors, 2 ou 2,5 mm ou 3 mm tout le tour. Du coup, vous choisissez, hein, vous ne faites pas une boîte à 2 mm et une boîte à 3 mm. Vous déterminez dès le départ si vous voulez 2 ou 3. Ah, je vais vous montrer un truc aussi. Ça peut peut-être vous être très utile. Bougez pas, je reviens. Il faut que je découpe ça. Et il faut que je trouve un autre crayon. Soit je vous fais comme un trusquin. Voilà. Alors, première solution. Vous prenez un brouillon là. Ouais, mais ça va pas aller parce que j'ai pas de bord. Donc, je vais le faire avec... Il vous faudrait 2 crayons. Alors, vu qu'on est sur l'arrière, à l'extrême limite, on s'en fout. Alors, le problème, c'est qu'il faut des crayons assez fins. Parce qu'il faut arriver à les coller pour que les 2 crayons fassent... Est-ce que ça fait 2,5 mm? Ouais. Alors, vous scotchez vos 2 crayons. Vous voyez, là, il faut les scotcher en bas, hein. Faut pas les scotcher en haut. Vous pouvez même éventuellement scotcher quelque chose au milieu là, pour être sûr que ça bouge plus. Voilà. Vous scotchez tout ça avec du washi, comme ça vous aurez facile de l'enlever. Et pardon, j'ai le hoquet, okay, dites donc. Imaginons que j'ai scotché. Vous vous mettez là et vous suivez. Avec le crayon Bic, je suis ma ligne. Et avec le crayon papier, je trace une autre ligne qui est à 3 mm. Et je recommence. Alors, il faut que ça soit scotché, hein. Du coup, votre ligne n'est peut-être pas hyper droite parce que c'est pas facile. Mais quand vous coupez droit. Vous ne faites pas, là, par exemple, la petite encoche parce que j'ai bougé. Vous la faites pas. Et si c'est scotché, c'est bien droit. Là, c'est pas droit parce que c'est pas scotché. Ah, je m'en fous de partout sur les doigts. Voilà. Et avant, moi, je faisais comme ça. C'est-à-dire que je repérais avec mon ongle. Avec mon ongle, là, je suis. Ouh, j'ai bougé. Voilà. Vous pouvez faire comme ça. Sinon, hein, vous n'êtes pas plus folle qu'une autre. Vous prenez votre règle. Et vous vous faites les 3 mm de partout. Faites-les peut-être avec une autre couleur de crayon. Parce qu'au bout d'un moment, vous n'allez plus savoir quel est le trait qu'on coupe et le trait qu'on ne coupe pas. Donc là, voilà. Je trace tout au crayon gris et je couperai sur le crayon bleu. Et là, vous pouvez carrément mesurer. Là, j'y vais au pifomètre, mais vous pouvez carrément mesurer pour être sûr d'avoir vos 3 mm. Hop. Et là, après, il y en a une ici. Et c'est là qu'il faut avoir deux crayons de couleurs différentes, parce que sinon, au bout de 2 minutes, on ne sait plus où on est. Et là, il y en aura une ici. Il y en aura une ici. Il y en aura une ici. Et là, je pense que j'en ai oublié une, oui. Voilà. Et vous continuez comme ça jusqu'à avoir... Là, j'aime pas le faire dans ce sens-là, parce que je vois pas où est ma ligne grise. Vous voyez, là, c'est pas trop compliqué comme ça. Taxim boom là. Alors, dès qu'il commence à y avoir des traits de partout, au bout d'un moment, on ne voit plus ce qu'on fait. Donc, heureusement que les traits sont de deux couleurs. Hein. Hop. Donc, j'ai encore oublié, là, le petit tour. Et ici, et là, ici, et là. Donc là, je l'avais fait avant pour vous montrer mon histoire d'ongle là. Il faut que je le fasse comme il faut. Je crois que je les ai tous. Ah non, il me manque ces deux-là. Et après, vous coupez. Hein? Donc là, ça va beaucoup plus vite. Parce que du coup... je peux faire des grandes lignes droites là où mon trait est continu. Et après, on est content de les avoir nommés, numérotés, parce qu'on va tout avoir en vrac sur le coin du bureau, sur le milieu du bureau, et on va plus savoir ce qui se colle à quel endroit. Voilà, ici... on en a un là, un là. Et on va en tester une. Donc, l'encoche va en dessus du chiffre, hein, évidemment. Oh. Et celle-là, c'est la 10 du côté gauche. Alors, c'était quoi mon côté gauche ? C'est celui-là, je crois. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est pas celle-là. C'est peut-être celle-là. Il faudrait que je vérifie. Ou je me suis trompée de côté gauche et de côté droit. J'aurais pu marquer lequel était le côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est plutôt celle-là. Je ne sais plus. C'est ou celle-là ou celle-là. Au choix. Parce que quel est le côté gauche, quel est le côté droite, je ne me souviens plus. Donc, il faut que je retrouve. Il faut que je retrouve. Ça, c'est le côté droit. Donc, c'est ça, droite. Donc, c'est celle-là. Marquez aussi vos boîtes. Droite et gauche. Voilà, je vais les ancrer. Et ça ira là. Et après, je vais faire avec des dies, je vais faire des petits chiffres. Je pense que je vais les faire dorés. Il est fort possible que je les fasse dorés. Alors, doré ou glitter? C'est une bonne question. Je regarde ce que j'ai. Par contre, il faut remettre de la colle si vous utilisez ça. J'ai ça. Je ne sais pas s'il n'y avait pas... du moins cuivré, ouais voilà, il y a du plus doré, il y a du doré et du cuivré au choix. Je pourrais faire avec ça. Donc du coup, il ne faudra pas que je prenne des chiffres trop petits. Et il ne faut pas hésiter à remettre de la colle, cet autocollant ne vaut que dalle. D'ailleurs, on n'arrive pas à les découper avec les dailles. Donc en fait, il faut enlever, donc vous décidez que vous en avez besoin peut-être d'à peu près la moitié. Vous enlevez le collant, vous le mettez sur une feuille de papier un peu épaisse. Et après seulement, vous les découpez avec vos dailles. Donc, je vais faire tout ça et à la limite, je vous fais une petite vidéo à la fin pour vous montrer comment j'ai fini. Parce que là, cette vidéo commence à être hyper longue. Bisous, bye bye, à tout de suite.